Salut à tous et salut à toutes, soyez les bienvenus sur ma chaîne, c'est Yugo05 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo détente sur Mercenaries 2, l'enfer des favelas. Alors, Mercenaries 2, l'enfer des favelas, c'est le deuxième épisode de la série Mercenaries. C'est édité par Electronic Arts, c'est développé par Pandemic Studio sur PlayStation 3. Donc Mercenaries, l'enfer des favelas, comme son nom l'indique, est un jeu vous mettant dans la peau d'un mercenaire qui a aidé un homme à prendre le pouvoir au Venezuela, mais la mission accomplie, et ben vous vous êtes rendu compte que cet homme n'avait pas du tout l'intention de vous payer. Il a même essayé de vous descendre, et tout ce que vous cherchez à accomplir, c'est tout simplement votre vengeance. Alors, pour accomplir cette vengeance, il vous faudra vous attirer la sympathie de différentes factions. Et merde, voilà, je vais intercepter un véhicule, il m'échappe. Heureusement qu'il y en a d'autres qui se baladent dans le coin, voilà, parce que j'ai quand même besoin de véhicules pour se promener dans ce monde. Alors oui, parce que Mercenaries 2, c'est un open world, un jeu d'action open world, voilà. Donc pour vous déplacer dans ce monde, et ben vous avez besoin de véhicules, parce que à pied c'est vraiment, mais alors vraiment pas pratique. Donc il faut que, alors je sais pas trop ce que je dois faire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben on va aller là, voilà, on va zoner tout simplement. Je n'ai pas accepté de mission à l'heure actuelle, alors on va zoner, on va voir ce que je peux faire dans ce, parce qu'évidemment il y a les missions principal, mais il y a aussi des missions annexes, donc on va essayer de faire des missions annexes, voilà. Donc là j'ai désigné sur ma carte une cible de destruction, on va bien voir ce que ça donne. Je sais pas du tout, même moi je sais pas trop ce qui m'attend, alors peut-être que je vais mourir, hein, après tout on sait jamais, hein. Je vais peut-être me faire descendre, mais on verra bien. Donc de ce que je peux dire, c'est que graphiquement le jeu, ouais ça va, c'est correct, quoique, mais techniquement il n'est pas parfait. Je crois qu'il y a, il y a des bugs par-ci par-là. Au niveau du scénario, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, mais le jeu est quand même assez défouloir dans la mesure où tout, pratiquement tout est destructible. On peut vraiment tout casser. Alors évidemment là je ne peux pas vraiment vous montrer le potentiel de destruction de ce jeu, parce que je n'ai pas, j'ai un lance-roquette mais j'ai pas de roquette, mais on peut déclencher les frappes aériennes, on peut tout casser. Alors s'il y avait mon bazooka à disposition, effectivement je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Voilà, le soldat vénézuélien un peu con là-haut sur son perchoir. Alors donc on a des trucs à récupérer, donc par exemple je sais pas, voilà, on peut changer d'arme secondaire pour s'équiper du C4, voilà. Donc voilà, j'ai appris à placer du C4. Alors je vais apprendre à placer du C4 et à le faire exploser. Donc j'ai une cible de destruction là-bas. Oui, la cible de destruction, c'est ce bâtiment-là. Donc on va le casser, on va le démolir. Voilà, donc ça se détruit aussi. Oula, il y a une roquette qui est passée à deux doigts de... Oula, j'ai plus que 3 points de vie là. Je vais mourir. Je dis rien. Hein. Heureusement que les points de vie se régénèrent tout seuls, mais faut pas non plus trop se précipiter, faut pas. Alors bon, voilà, on va quand même essayer de démolir ce truc. Donc alors on place, voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui s'est passé, on place le C4, voilà, on place le C4 et on le fait sauter, voilà. Enfin, j'ai pas bien vu l'explosion, mais bon, alors on se débarrasse des soldats ennemis, voilà, hop, on claque, voilà, on fait sauter, voilà. Enfin, je pense pas que mon C4 soit suffisant pour faire sauter ça. Je crois qu'il faut une frappe aérienne ou là. Alors ces bâtiments là sont chiants, parce qu'il y a des soldats qui me tirent à la roquette depuis les fenêtres du bâtiment là. Et voilà, alors il y a plus qu'à le faire sauter, voilà, on y va au C4. Allez, boum, voilà, on fait, voilà, tout est, voilà, c'est ce qui est pas mal dans ce jeu, c'est que tout est destructible, on se défoule bien. Mais après c'est un peu tout quoi. Voilà, un baril rouge, c'est bien connu que les barils rouges, bah ça pète. Allez, boum, voilà, allez, on fait tout sauter, voilà. Allez, hop, hop, on place notre tirage de C4, voilà, boum, ça y est, le bâtiment est complètement détruit. Voilà, une mise à jour, cible de destruction, voilà, mission accomplie, enfin, mission secondaire accomplie. Là, je vais crever, je dis rien. Ah non, c'est bon, il a largué une trousse de soins, ça va. Voilà, les ennemis larguent assez souvent des trousses de soins et des munitions, donc il y a pas trop à se faire, il y a pas de niveau de difficulté. Voilà, donc là on marque la caisse d'argent pour la ramasser, voilà, parce que évidemment ce qui vous importe dans Mercenaries c'est les pépettes, hein, ce qui vous intéresse dans ce jeu c'est le pognon, c'est le fric. Allez, hop, allez, on fait tout, boum, voilà, bon débarras. Mais je n'ai plus de charge de C4.
Voilà, donc on peut voilà, donc on récolte les citernes de carburant, Hey Erwan, on ça fait marque bien que t'aies fait du ça, fric. on marque ça. Après, je sais pas comment on fait pour ramasser les ressources. Voilà, hop, et comme ça, on appelle l'hélico. Voilà, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça permet de ramasser ça permet de gagner de l'argent supplémentaire, argent qui sert à nous faire livrer des armes et du matériel et des véhicules. Donc voilà, c'est. On peut aussi intercepter les chars. Alors je crois qu'il y a un char, voilà, pas loin. Là, il y en a un, justement. Ah, ben l'hélico, ça fait tirer dessus. Allez, on va essayer de. Voilà, on va intercepter le char. Voilà, hop. Donc là, petite QTE pour ouvrir le char. Ensuite, de nouveau QTE pour lui arracher sa grenade que j'ai loupée. Génial. Donc il faut peut-être un petit temps de réadaptation avant de recommencer. Voilà. Alors donc, on ouvre le char. Voilà. Coucou, rebonjour, on lui arrache sa grenade, voilà. Allez, prends ça, hop, voilà. Poum, bam, coup de boule. Encore que lui, il avait un casque, donc je pense que ça a dû me faire plus de mal qu'à lui. Et voilà, donc bah, là, voilà, on va intercepter le char, maintenant on va pouvoir se défouler un peu plus. Allez, boum, voilà, on se défoule, hein, voilà. Je fais cette vidéo plus pour me défouler qu'autre chose, voilà. Tout est destructible, tout est ben voilà, c'est vraiment magnifique. Voilà, allez, boum, voilà, on récupère tout, voilà, je casse tout, là, je suis un thug, je démolis tout. Voilà, je fais pas de mission particulière pour éviter de spoiler, je me défoule. Voilà, je pense que allez, le char, il est un peu bloqué là, les véhicules sont un peu il est un peu lourdingue, hein, le char, mais bon, c'est pas ben, voilà, allez. Bon, plus besoin du char, allez, on va voir où est-ce qu'on peut aller encore. On va voir où est-ce qu'on peut aller, voilà, j'ai plus de C4, voilà. J'ai des grenades, ah non, j'ai plus de C4. Il me reste plus que des grenades. Est-ce que je peux me faire livrer du C4 d'ailleurs? Voilà, ça tire toujours d'un peu partout, mais bon là ça va, c'est un peu plus tranquille. Je sais pas trop ce que je peux faire ici, mais voilà, on peut. Voilà, je zone. C'est ce que je fais, je zone, voilà, Voilà, lui est touché, bien pépère, voilà, t'es mort. On récupère la trousse de soins. Voilà, on récupère la trousse de soins. On a un baril de pétrole ici qu'on va récupérer. Voilà, donc si je dis bien, c'est pas de bêtises, triangle pour marquer le carburant. Capacité de carburant max déjà atteint, d'accord. Donc on n'a pas de. On a un certain nombre. D'accord. Je sais pas, le carburant, je crois que ça sert au. Pour voyager en hélico, parce qu'il y a un système de voyage rapide aussi, hein, comme dans tout notre open world qui se respecte, parce que sinon d'aller d'un point A à un point B, ça risque d'être un peu agaçant, vous trouvez pas? Bon bah là, bon, on va prendre ça, voilà, toi tu tombes bien, et on va aller voir ailleurs, qu'est-ce qu'on a? Allez, CHV, voilà, alors les CHV, ce sont des cibles, enfin des cibles, entre guillemets, des personnes qui sont nos cibles et qu'on doit ramener, qu'on doit. Capturer vivante de préférence, mais on peut également les tuer, ça rapporte du fric, moins que. Excusez-moi, j'ai un petit peu abandonné ma. Allez, on va. J'ai un petit peu abandonné mon. Voilà, on va quand même récupérer ça. Alors, on marque, on ramasse la ressource, voilà. Je pense que là, il n'y a personne pour nous embêter. Allez, voilà, donc j'ai 300 de carburant, donc c'est bon. Et. Du coup, ma voiture, elle est partie à Babelwed. Donc là, je suis un peu à nouveau dans l'errance, voilà. Je suis un petit peu dans l'errance, voilà. Je cours assez vite, mais bon, pas trop non plus, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, je suis pas si loin de ma cible de toute façon. Donc évidemment, les CHV, les cibles de haute valeur sont bien gardées. Allez, je prends, je non, je ne prends pas. Allez, c'est bon. On va y aller à pied, hein. Voilà, tuer ou capturer la CHV, mais elles sont évidemment bien gardées. Faut pas faut, les témoins gênants, vous savez. Donc il va falloir se battre un petit peu, et peut-être pas qu'un peu d'ailleurs. Allez, bon, alors les stations d'essence, ça explose normalement, hein, c'est inflammable l'essence. Alors quand on tire un peu, il suffit de tirer un coup dessus. Allez, tire un coup sans mauvais jeu de mots. Oula, grenade! Allez, les barils rouges, ça explose. Alors, voilà, boum, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais bon, voilà, là, si, bon, tant pis, allez. Tant pis, on la bute, c'est pas grave, et donc, il faut que je confirme, là, voilà, prendre une photo de la CHV pour apporter une preuve, voilà, clic, et voilà, on a quand même, bon, ça aurait plus rapporté de la capturer vivante,
Mais bon, je préfère ne pas, je préfère ne pas prendre de risques. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous proposer. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même apprécié cette petite vidéo. Donc c'était Hugo05 pour une vidéo détente, défouloir sur Mercenaries 2, l'enfer des favelas. Donc un jeu, on va dire assez moyen quand même, hein. Si vous préférez, si vous aimez les jeux de open world avec une ambiance un peu guérilla où vous pouvez vous défouler comme ça, ben je vous conseille aussi de, je vous conseillerais plus de prendre comment dire, les Just Cause, voilà, les Just Cause, voilà, c'est les Just Cause 1, 2, 3, 4, ben, qui sont quand même mieux que les mercenaries, mais bon, celui-là se défend quand même, hein. Il se défend assez bien, on peut le trouver pour pas cher dans un magasin d'occasion. Voilà, si vous voulez vous défouler un petit coup avec un open world, donc là j'ai encore ramassé de l'argent, alors je sais pas ce que je peux vous proposer, parce que là j'avoue je peux plus rien vous proposer d'autre. Qu'est-ce que je peux faire? Alors je peux pas faire d'aéroportage, voilà, l'hélicoptère est occupé, aéroportage, j'ai pas de frappe aérienne encore, donc on va en rester là. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine, allez, peace, bye, ciao!